Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fabriquer des armes mécaniques en utilisant des pièces mécaniques pour fabriquer une arme improvisée. Alors, pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller juste où je me trouve sur la map. Donc, regardez, c'est juste ici. C'est à côté de Stilty Stronghold. Donc, juste ici, il y a un personnage qui s'appelle Sergent Steak. Et en fait, ce personnage, il vous vend des pièces mécaniques pour 10 lingots d'or. Donc, vous en achetez, voilà, hop. J'en achète 3. Ah, ben, j'ai plus assez pour le reste. Ensuite, quand vous avez des pièces mécaniques, alors, c'est pas la seule façon d'avoir des pièces mécaniques. Hein. Vous pouvez casser aussi des véhicules. Tous les véhicules vous rapportent des pièces mécaniques, regardez, hop, comme celui-là. Alors, quand vous avez des pièces mécaniques, vous devez avoir au moins une arme sur vous, hein, ou sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, on va prendre une arme grise, comme ça, ça me coûtera moins de ressources. Alors, on va juste construire un truc pour pas me faire déranger, parce qu'on ne sait jamais. Hop. Alors, ensuite, vous appuyez sur flèche du haut, vous allez dans vos inventaires fabrication, et là, regardez, vous avez plusieurs armes que vous pouvez améliorer. Donc ici, il me faut 4 pièces mécaniques. Ici, il me faut 4 pièces mécaniques aussi. Donc au final, en fait, que ce soit en vert, en rareté verte ou en rareté commun, atypique. Non, ouais, commun. Bah, ça ne change rien. Donc on va améliorer la verte, donc l'atypique. Et on va l'améliorer en rare. Comme ceci. Et ça va faire une arme mécanique. Et je terminerai. Donc fabriquer des armes mécaniques en utilisant des pièces mécaniques et une arme improvisée. Bah voilà, c'est terminé. Et là, j'ai débloqué 24 000 XP. Donc voilà, rien de très compliqué, c'est tout ce que vous avez à faire, il vous faut juste des pièces mécaniques et des armes pour pouvoir les fabriquer. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.